Et salut les amis, bienvenue sur Farming Simulator 19. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie d'OTP sur cette map en construction. Donc on a notre bel immeuble ici avec toute cette zone derrière à dégager. On a un petit peu de terrassement à se faire quoi. Allez, c'est parti. On va prendre notre 4x4 qu'on a garé dessous et on va aller chercher ce qui nous manque. Hop, on va faire ça tranquillement. La petite vue sur le fleuve. Allez, on est parti. On va se chercher. Je vais me prendre un tracteur aujourd'hui parce que j'ai envie de faire ça avec un tracteur et une remorque. Un petit PTP. Et puis on va se prendre une petite chargeuse télescopique, je pense, on va voir. Pour l'instant, on va faire avec ça. Et puis plus tard, on prendra les moyens un peu plus gros. Hop. Alors, hop. On arrive à notre petite entreprise TP provisoire parce que notre contremaître qui suit le chantier de l'entreprise TP est un peu à la bourre. Donc du coup, on n'a toujours pas d'entreprise TP digne de ce nom. Car l'architecte est à la bourre, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas, Raph? Alors, on va se garer là. Un petit présentation vite fait, hein, le Ford F250. Donc lui, il est en téléchargement sur mon site, hein, vous avez le lien dans la description de la vidéo. FS19 modtp.com. Toujours notre remorque Cheftain. Une remorque Fruof en cours de scriptage, donc il y a des bugs dessus, mais c'est normal parce qu'elle est en train d'être mise in game. Notre petit man avec une autre petite remorque Schmitz Cargo qui est disposée sur le site. Toujours notre Mercedes Actros avec la petite remorque Plateau Flegme qui est dispo sur le site. Le tracteur Caz qui est d'origine du jeu et la remorque Littoral qui est dispo sur le site aussi. Donc ça, on a déjà ça là. Hop là. Voilà, vous les connaissez, c'est ceux de base du jeu, les Manitou. Je vous les remontre pas tous. Les New Holland. Ma petite Poquelin en cours de finissage de scriptage aussi, pareil. Et puis le New Holland qui est sur le site. Le New Holland, on s'en servira à la zone de déchargement surtout. Donc j'ai dit qu'on va emmener déjà le tracteur. Et puis on reviendra chercher petite chargeuse. Alors on va se faire un peu de intérieur. Oh putain. On va en profiter. Ils ont des beaux intérieurs, on va se refaire une vue intérieure. Hop. J'étais en train de me dire, il n'y a pas de circulation, ça me paraissait bizarre aussi. Mais si, si, il y a bien de la circulation. Hop. Non, personne de ce côté, personne de là non plus. Avec les bateaux qui se promènent sur le fleuve, ça c'est assez sympa. Mais il n'arrive pas à les clignotant tout seul, ce con. Allez, on arrive à notre chantier. Allez hop, on se fait une petite marche arrière tranquillement. Se mettre les warnings quand même. Dommage pour le piéton, je voulais l'éviter, mais il est allé trop vite. Allez, alors on la laisse là.
Donc on va s'emmener. J'ai dit que je voulais emmener ça. Petit magnéto télescopique. Je l'aime bien, il est sympa. On va se foutre derrière notre remorque. Donc là, il nous faut un camion. Pour l'instant, on n'a pas de camion Ben pour emmener, c'est dommage. Ça ne saurait tarder. Donc on va se faire ça comme ça. Ces machins articulés, c'est toujours chaud à monter. Je pense que c'est pas mal. Ouais, elle va pas dans le 4x4, t'es con. Parfait. Bon, par contre, on va se l'emmener en regardant derrière parce que je sais pas s'il y a la... le verrouillage automatique ou pas. On va bien voir. Très belle vue sous le pont de la voie de chemin de fer, ça j'aime bien, c'est sympa. Ça rend assez bien. Notre beau taureau au milieu du rond-point. Peut-être vous montrer l'immeuble aussi un coup, je sais pas si vous l'avez vu, les nouveaux qui arrivent sur ma page et sur mes vidéos. Les anciens, vous l'avez vu sur les vidéos FS17 parce qu'il était déjà. Mais bon. Je pense pas avoir fait grand-chose de mieux depuis. Allez, on va se garer là. Je peux pas trop me garer sur les trottoirs parce qu'il y a les piétons qui passent. Faire tout de suite ça, tant que j'y pense. Oh, tiens. Ah, sa mère, je peux pas les mettre. Oh, c'est chiant ça. Faut les mettre des cônes, je peux pas. Putain, j'ai pas viré le truc interdit. Bon, autant pour moi, tant pis. Je voulais vous mettre des cônes, mais je ne peux pas. J'ai pas viré ce qui est interdit de poser par terre. Allez. Donc le passage est assez étroit, hein, puisqu'il y a passage sur la canalisation. Hein. Bah, les cons. Conduite électrique et tout. Hop. On va se poser 2 secondes là, juste le temps de vous montrer. Donc en bas, c'est tout ce qui est box de pour ranger les véhicules. L'entrée du bâtiment sera par ici. Donc ça, faut qu'on fasse le terrassement. Hop là. J'ai juste oublié de monter. Là à gauche, c'est la case d'ascenseur. Chou. On va foutre le vertige donc. Et là, on a nos escaliers. Alors, par contre, je sais pas si FS19 a pas réduit les cotes parce que. Putain, ça y est, il veut plus monter. Allez, allez. Putain, je touche ma tête, je crois bien. Oh, t'es con, t'es con. Allez, oh, tout à l'heure, je suis bien monté, qu'est-ce que tu me fais chier? Putain, c'est pas possible. Hop.
Bon, il y a trois étages. Allez, vas-y, monte. Il en chie le mec à monter. Bon, sur le 17, j'en chiais déjà un petit peu, mais je trouve qu'on en. C'est un peu plus merdique encore. Je sais pas pourquoi il reste collé. Hop, voilà. Allez, on est en haut. Avec nos branchages. Un très beau coffrage que j'ai fait moi-même. Je suis assez fier de moi. Ah, par contre, on a pas fini de mettre les barrières de sécurité. On nous a livré les planches, là, c'est bon. Donc, et nos deux ouvriers, il faudrait vous y mettre un peu. Hein. Vous êtes pas bien rapide, hein, parce que vous avez mis une planche pour faire du tremplin, d'accord, mais il faudrait commencer à mettre les protections. Là. Les garde-corps. Notre bateau qui arrive. Ils sont où les autres? Ils ont dû aller tourner derrière. Il y en a trois qui tournent là, en permanence. Hop. Bon, après, c'est derrière, c'est pareil, hein, toute la maison est visitable. Très beau petit bateau, j'aime bien, sympa. Très belle vue. Sur la ville. Ah, là aussi, il faudra qu'on mette des garde-corps quand même. Petit village tranquille, qui va tout être modifié, je pense. Voilà quoi, allez go. Je vais pas prendre la descente pour descendre, on va prendre à la barbare. Bon, on est dans un jeu, j'ai pas envie de me faire prendre la tête non plus. Hop, allez go. On est parti. On va se charger tout ça. Juste avant, pour pouvoir charger, j'ai oublié d'acheter le terrain. Donc forcément, il nous fait chier. Ça, faut que je le modifie aussi, que j'ai le terrain d'entrée parce que ça me gonfle. Ou faire un truc sympa, mais c'est un peu lourd leur truc à force. Ouais, c'est bon. Allez. De la belle terre toute fraîche. Qui va aller remblayer notre chantier de l'entreprise. Où notre contremaître Raph est en train de travailler. Merde, je tourne la tête, ça marche pas. Ça va tout de suite mieux hein, quand il y a la bonne couleur qui décharge. Ouais. Pas le faire en marche arrière, mais faire un petit coup de marche arrière quand même. Hop. Allez. Je pourrais passer dedans aussi, je sais pas si lui il passe. Le petit chez qui passe, Bobcat Achny là, bah Bobcat, c'est pas Bobcat. En tout cas, je suis content de vous faire des vidéos TP, ça fait plaisir de vous retrouver. Putain, j'ai. Freiné un peu court. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Bon, on secoue un peu la remorque, hein, pour tasser. Pas le dire. Ah, comme ça, on se rend bien compte quand même de la qualité des textures, quoi. Ça, on peut pas nier que par rapport au 17, ils ont quand même bien amélioré les couleurs et tout ça. Le visuel, c'est quand même rien à voir.
Déjà, juste dans le godet, vous voyez, ça fait des tas au lieu de faire vraiment un truc plat. Ça, on pouvait déjà le faire sur le 17, mais on l'exploitait moins bien que personne ne le faisait en fait. Mais dans certaines bennes, ça le faisait. Ces petits trucs cons, mais c'est sympa quoi. Je crois que ça passe. Wow. Si. Non, je touche. Je touche à quoi? Non? Tiens, bizarre. Il aurait dit que je touchais pourtant. Je suis pas touché. Bizarre. Notre gadjo qui fait des boîtes de béton pour emmener je sais pas où. Ouais, hop. J'ai pas vu dans les rétros, mais c'est passé. Oh putain. Hop, allez. Bon, ce petit chantier il est sympa parce qu'on peut faire vraiment plein de choses. On peut monter des palettes sur le toit de planches pour faire des coffrages, des palettes de moellons, des palettes de ciment. Faut qu'on aura notre camion avec bras télescopique là, ça sera cool quoi. Putain, il y a les deux bateaux qui arrivent là-bas. Péniché. Nicher un petit bateau de plaisance. Putain, je crois bien que j'en ai foutu. Merde. Il est sympa ce petit Manitou. J'étais pas très fan de ceux du 17 en fait, mais. En fait, il me plaît pas mal. C'est peut-être parce que j'en ai des comme ça à côté de chez moi en location. J'en ai déjà vu, donc c'est pour ça qu'il me plaît plus que les autres qu'on avait jamais vus. C'était pas les mêmes marques, mais c'était les mêmes engins, quoi. Hop. Allez. Bon, vous avez compris que je peux pas prendre non plus un engin trop gros pour faire ça parce que là on passe pas, hein. Faut que j'équipe aussi mon conteneur à outils. Là. Bon, vous avez compris qu'il y en a quand même pas mal. On va pouvoir se faire au moins deux vidéos avec ça. Hein. Tant qu'on mette tout ça comme il faut. Petit bateau de plaisance qui arrive. Il va quand même plus vite que le bateau. Que la péniche, c'est bien.
Allez. Non mais verso hein. Bon, on en fout encore un gros dé derrière là et puis ce sera bien bon pour ce voyage. J'ai envie de dire une connerie, on va pas charger trop, hein. Faudrait pas tordre un essieu arrière de la remorque. On sait jamais. On va être raisonnable sur le tonnage. Je pense que la remorque, elles sont prévues pour porter deux fois plus que leur poids. Peut-être pas deux fois plus. Mais... un tiers de charge en plus, à mon avis. Qu'est-ce qu'elles peuvent réellement porter? Heureusement, il n'y a pas trop. Ah, j'ai vu, j'ai tourné trop court. Il n'y a pas trop de circulation. On fait pas trop chier le monde. Ah bah tiens, je suis en train de penser. Cet après-midi, j'ai eu une mise à jour. Et bah ça a corrigé le son. Ah, c'est plein. Bah oui. J'ai été mauvaise langue. Parce que du coup, c'est plein. Ah ouais. Ah, ils ont corrigé tous les sons. Dans l'autre vidéo, les sons étaient pourris. Et bah ben là, on est bien. Ah bah tiens, les deux péniches qui se croisent, ça c'est sympa ça. On fait une petite vue sur les péniches. Sur le magnifique pont au fond. Ça c'est la map de base hein, à l'origine que je modifie. Hein. C'est pas une map que je fais moi, hein, c'est que j'ai fait moi. C'est la map de base du jeu, hein, la map allemande, qu'on va toute modifier pour la faire à notre sauce. Pas très fan du taureau au milieu du rond-point déjà, je pense qu'il va pas tarder à péter. Dommage le poteau, je l'ai mangé. Je l'ai vu trop tard. Aïe. On va s'emmener ça de là-bas. Allez, voici notre future entreprise TP qui sera ici. Sauf changement de dernière minute, mais je pense que ça fera bien. On va se décharger tout ça là-dedans. On a commencé à tout démolir le terrain. Ah, quand on vide, ça augmente le régime du tracteur, ça c'est fun ça. Ah, et puis le déchargement il est bien différent d'avant. Putain, il est top. Voilà. Petit tas de terre assez sympa. Allez, go. Oh, je suis assez content du tracteur. Là, au moins, ils ont amélioré le son, quoi. Ça en a deux balles, mais bon. Allez, on va aller chercher notre chargeuse pour
si on a besoin d'étaler tout ça sur le chantier. Là, il y a notre petit étang à truite, là. On revient avec Raphaël et Patrick pour pêcher. Alors, notre chargeuse, on va l'emmener tout de suite, ce sera fait. Il y a les molos. On va trop faire monter dans les tours à froid. Hop là, allez. Putain. Parfait. Tac. Ouais, nickel, elle est bien posée. Bon, le bruit du Mercedes, par contre, lui, il est pas top. Comme il est en chier pour tirer. Si lourd que ça. Ah, ça y est, c'est parti. Je vais rentrer par la deuxième entrée là-bas derrière. Ah si, il a un vrai klaxon. Mais... on va passer par là. L'intérieur est magnifique par contre. Bien fait de passer par là, dis donc. Tiens, voilà ce que je disais, j'ai bien fait de passer par là. Putain, je me suis accroché. Y a trop de pente. Contremaître, j'espère que vous avez prévu d'abaisser l'entrée, hein, parce que ça rentre pas. C'est que de l'autre côté c'est pareil, c'est autant pentu. Bon, on va passer par là, j'espère qu'on va pas s'embourber. Non, c'est bon. Ah, il y a une putain de descente là-bas, laisse tomber. Donc j'espère qu'on a prévu ça dans les plans de l'architecture, hein. D'architecte. Allez, go.
Hop là. Parce que là, à mon avis, c'est pareil, hein. Vu la descente, les béquilles vont toucher, intérêt de tout faire péter. Hein. Donc on aura besoin d'une chargeuse. Et je pense d'un bulldozer. Putain. Ah, il a bougé quand j'ai tourné. Putain, il prend large et donc j'ai déjà pris de la terre, j'étais à côté. Trop fort. Allez, bon bah là on est parti pour l'implantation de notre chantier, parfait. On va s'emmener quoi? J'ai plus de camion. On va se ramener notre camion là. On pourra ramener la benne. Allez, on va tourner. On va aller chercher notre benne TP. Un peu plus grosse quand même. C'est là. C'est bon. Oh, 8. Putain, il enlève pas les clignotants tout seul, c'est chiant ça. Putain, par contre, les compteurs, les intérieurs des camions, je trouve qu'ils sont vachement plus détaillé et fin que dans le 17. Hein. Tous les compteurs, on arrive à bien lire. Je crois que j'ai jamais vu un jeu où on voyait aussi bien les compteurs. Même Euro Truck, c'est pas aussi net. C'est toujours flou de temps en temps. À part les jauges en bas qui sont un peu floues, sinon. Il est quand même net le compteur. Le Mercedes, je crois qu'il est encore plus net que ça. C'est fun. Non, niveau qualité des textures quand même, ils ont bien travaillé, ça y a rien à dire. Mais après, il y a certains trucs qui sont pas top, mais ça c'est top. Non mais c'est bon, enlève-moi avec une autre. Allez, on va se mettre droit. Bon, je prendrai pas la free off parce que j'ai pas fait le chargement dedans, on peut pas la charger. Pour l'instant, je peux l'atteler, la bouger, mais je peux pas la charger quoi. Allez, je pop. Bon, je peux la bouger. Ça, y a pas de souci, elle roule. Je vais la remettre droite d'ailleurs, elle me saoule un peu d'être là. Mais on ne peut pas la remplir donc. Bon, on peut la remplir, mais ça va faire n'importe quoi, donc je préfère ne pas le faire. Parce que ce n'est pas fini. Allez, go. Il faut que je vire les gyrophares qui sont derrière, je trouve ça trop moche. Gyrophares sur la benne en haut, n'importe quoi. Truc qui sert à rien du tout. En plus, sur Euro Truck, je crois pas qu'elle était comme ça. Hein. Ça c'est une importation d'Euro Truck, c'est exactement la même. Ah, je suis content, ils ont remis le son des camions, tout ça repart nickel. Je sais pas ce qu'il y a eu là que. Ça merdait.
On va attendre que la donzelle elle passe là, si elle veut se bouger sans de train arrière. Hein. Oh grognasse, arrête de tordre du cul et avance plus vite. Ah bah putain. Voilà, on va le laisser là. Lui. Bon bah voilà, c'est déjà pas mal pour une petite vidéo de d'immeuble. Hein. Hop là. Tac. Hop. Fait une petite vue arrière. Ouais, c'est pas terrible de ce côté. Petite vue aérienne. Ah, il y a pas mal de taf de ce côté. On pourra reculer avec le camion qui a la grue pour remonter le. Je vous dis, les palettes en haut, ça peut être sympa. Walou walou. Allez, on va arrêter là, sur cette belle vue. J'espère que cette petite vidéo, la deuxième du TP, vous aura plu. Et puis, moi j'étais très content de vous la faire. Je vous en prépare une autre très rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, de vous être abonné pour ceux qui sont abonnés. Et puis n'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis bye bye à tous. Bye bye.